Bonsoir. Bienvenue dans Haïti sa cap cuite. À Soya, nous allons mettre projecteur nous sur une actualité, un point d'actualité qui c'est forum sur pacte de gouvernabilité qui était fait dans centre de convention BRH. Ce ben ça, côté que son invitation au Premier ministre qui était officiellement mandaté par le président de la République pour mener un dialogue avec tout le secteur, il y a environ près de 400 à 450 personnalités qui sont dans tout secteur politique, social, économique, etc., et culturel, et monde qui sont dans l'ambassade à l'étranger, etc., communauté internationale là. Mais c'était vraiment un pile monde qui était venu participer dans l'activité ça. Mais aussi, il y a eu des absents, des grands absents et absents ça, où tu es capable. Ou de prendre déjà, puisque vous avez déjà dit au pape là, qui c'est l'aile dure de l'opposition politique. Pendant l'activité à fait, Jean-Henri Seyan, Premier ministre, qui parlait avec une satisfaction de réalisation ça, eh bien, le président de la République a une sorte de touche froide lorsqu'il a exprimé pendant le forum devant tout le monde une satisfaction gagnée par rapport à l'absence de monde qui est dans l'opposition, l'aile dure opposition qui part là. Pour nous, retourner sur l'activité, analyser et mettre en perspective reste travail, genre ici, il y a pour le faire. Est-ce que, après petit tape ça, majeur, hein, président Finn Bali, est-ce que il transcender pour qu'il continue de travailler avec dialogue là, ou bien il a croisé des bras, il dit que le président fait dialogue pour qu'on non. Pour qu'il soit capable d'aborder ça, nous sommes ensemble avec nous, Edouard Polt, qui est responsable conseil national, acteur qui parle dans l'État. Monsieur Polt, bonsoir. Oui, bonsoir Robinson et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir pour nous parler aujourd'hui et sur une question que nous pensons qui est très importante pour le pays. Tout à fait. C'était une intervenant pendant l'activité pour le secteur et la société civile. Là. D'abord, est-ce que vous trouvez, avant nous venir dans la position PAO, sur l'ensemble du processus dialogue là, est-ce que ça t'a étonné ou le Premier ministre vient de parler et Jean-Président vient de parler par la suite? Oui, et effectivement, ça t'a gênant que le Président vient de commander et Premier ministre pour prendre l'initiative dialogue là et puis voilà que lui montrer insatisfaction. Et, alors que ça qui est organisé, ce n'est pas un échec et véritablement pour le processus dialogue-là. Pour qui ça? Et Haïti, je crois que yon intervenant, c'est Charles Tardieu qui montrait que le pays a effondré. Oui. Non, sur tous les aspects, économiques, sociaux, politiques, nous parlons pas de l'élection peut-être tout à l'heure, c'est 20% de monde qui participait à l'élection, donc vraiment un échec, et je dis à, du processus démocratique, et je dis à, et moi-même qui j'aime recevoir parole président, quoi que lui fait partie des deux gros extrêmes. En d'un pays. Un extrême qui a goumé avec un autre extrême. C'est comme ça que vous comprenez. Vous comprenez? Et M. Seyan fait effort, il parle avec tout le monde, il fait effort pour te rencontrer avec certains. Et malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Nous capables de dire des leaders politiques qui ne sont pas placés au niveau, à hauteur de la crise haïtienne. Et ceci, président là dans le tout, même si c'est lui qui commande des dialogues là, et puis il voulait cracher sous lui. Vous comprenez? En tout cas, l'orgue a des différentes interventions qui faites hier, que ce soit par M. Tardieu et secteur économique, et que ce soit société civile, que ce soit universitaire là, et Gougous, et Benza, où est tout allé dans le même sens.
Tout le monde pour dialogue. Tout le monde en faveur du dialogue, en faveur de... Ce n'est pas pour dialogue, en faveur d'une grande entente nationale. Oui. On chute à parler. On chute à parler, mais on, surtout, un consensus, une entente nationale, aller vers objectif pour nous joindre cette grande entente qui est capable de rassembler tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes, tous les secteurs, et puis pour nous faire un saut qualitatif. Mm-hmm. Et professeur Victor Benoît a parlé de la grande entente en République dominicaine. Oui. Et pour qui ça nous pas qu'à faire? C'est parce que nous Haïti pris en otage par ces deux extrêmes-là, mm-hmm. qui refusaient joindre cette grande entente. Or, cette grande entente, c'est surtout ces deux extrêmes-là qui besoin de rejoindre mm-hmm. et retrouver ensemble. Est-ce que, au monde qui était dans le forum, là, il n'y a pas senti vexé par rapport à la déclaration du président? Comment le président a montré le moins important par rapport à l'autre monde qui va venir? Non, moi-même, dépendant de monde qui t'a porté message là, moi-même, je crois que le président, l'a fin mandé dialogue là. Qui l'a mandé dialogue là? Il a mandé dialogue là le 21 novembre, trois jours après que le pays a fermé, bloqué. Et tout le monde comprend que c'était la fin de son mandat. Oui. Et il était même parlé de démission. Ou comprendre. Non, mais ça, la nation n'a pas le fait. Il y a même moun qui. Ou comprendre, qui te comprend que c'est fini. Oui. Il fait comment dialogue ça dans moment ça? Dans moment que la ville là, enfin, Haïti fermé, il fait comment dialogue là? Donc, c'est vraiment un sauvetage que le tape chercher et puis le joint. Il y a un gars? Non, c'est pas un gars, son attitude. Son attitude liée. Maintenant, et risque qui gagne, c'est que nous-mêmes qui en faveur dialogue là, c'est montrer capacité non pour nous rester ensemble et puis forcer. Je dis forcer parce qu'il faut encadrer ceux qui veulent le dialogue. Mm-hmm. Il faut encourager les gens qui veulent le dialogue. Là. Il faut que nous joignions ce grand compromis interhaïtien. Il faut que nous... Et me parlait avec un monde et puis qui dit ça qui passé à là son gros pôle de progrès pour Haïti. Ou comprendre nous pas qu'à rater. Ou comprendre il faut que nous chercher mettez nous ensemble et continuer à inspirer ce processus. Mais ça qui passé hier entre président avec premier ministre, est-ce que partout capable de bloquer processus et dialogue? Absolument, il cap bloquer. Il est capable de ses signatures, échecs, gouvernement, essayant. Il est capable de claquer la porte, les sortir. Mais le ça, président n'a pas l'autre source. Il n'a pas comprendre ça. Il n'a même tout la porte de sortie. Il n'a pas l'autre source. Il n'a pas bien porte de sortie encore pour lui. Ça veut dire que c'est le dernier cap de la vie là? Oui, moi, quoi ça? Moi, quoi ça? Moi, j'ai une conviction. Moi, souhaité. Que lui ressaisit lui, moins souhaité que lui continue son chemin ça. Et puis finalement, son nom sera inscrit s'il arrive à joindre cette grande entente nationale, la privée inscrit dans la modernité. En tout cas, la retirer colle de ces extrêmes pour faciliter que ce grand pôle de progrès est capable de constituer vraiment pour Haïti. Est-ce que ton comportement, président, par rapport à Jean Rissé-Yon, pas oublier le discours que Jean Rissé-Yon fait pour lui être du président, non, il mettait le président dans une situation pour dire président, je veux travailler avec vous. Il comprend que le président m'a ployé ensemble avec vous, je veux continuer à servir ensemble avec vous. Il n'y a pas président toutes sortes d'affections que tu as bien pour l'être du président. Yeah. Est-ce que le comportement président par rapport à la Premier ministre n'est pas symptomatique des problèmes qui déjà existaient et que vous n'êtes pas véritablement d'accord?
Alors, bon, moi-même, je ne pas arrêter véritablement sur l'aspect ça. Mm-hmm. Ça, symptomatique, comme moi-même, analyse pas moins, c'est que le président pas comprendre que lui fait partie du jeu des extrêmes qui maintenu Haïti côté lié. Roman, aujourd'hui, pour nous sortir ensemble, c'est pour nous développer cette nouvelle attitude, ce nouveau comportement, chercher consensus, chercher compromis, parce que la politique, quand même, c'est l'art du compromis. Et puis, retirer ou effacer le processus dialogue, ça, bail l'autre monde pouvoir, il y a pas le joint même bagaille. Il y a pas besoin on espace parce que pour y gouverner Haïti, il faut que nous joignions un consensus minimum. Mm-hmm. Il faut que nous soyons capables. Et c'est qui est là dans yo, c'est Peggy Boisson, mm-hmm. qui lançait cet appel pour que nous joignions, nous lancer une grande révolution de croissance en Haïti. C'est ça la République dominicaine fait en 1995, les rejoignent en tentant entre Peña Gomez et Balaguer. Oui, c'est ça qu'ils ont fait. Ou reprendre pendant que Balaguer fin sorti dans l'élection, qui n'est pas correcte, qui n'est pas normale, qui est frauduleuse, et puis les cédé dans le mandat. Ils ont refusé, en tout cas, engager la République dominicaine dans ce jeu des extrêmes. Mm-hmm. Ils ont refusé. Et je dis, c'est cet appel que. Mais ça c'est un appel qui transcende l'ego. Ah oui, c'est pour transcender l'ego. Et c'est cet appel que nous adressons à tout le monde qui fait politique en Haïti. Il faut que Goncarfou nous arrive pour nous déposer l'ego. Mais l'analyse du président depuis le monde, Edouard Pout. Où est le président qui est au-dessus de la SAO? Parce que dans la parole, c'est toujours, la pré rappeler qu'il est chef d'État, la pré rappeler qu'il est président de la République, et point barre, etc. Je parle, je dis, je fais, je dis, je date. C'est toujours lui-même, il est devant. Où est-ce qu'il est au niveau? C'est toujours parce que. Ni lui-même, ni l'extrême qui est en face, il y a tout. Bien entendu. Et l'extrême qui est en face, il y a besoin de mettre la tête. Ou comprendre et donc Haïti prisonnier de ces deux extrêmes, il faut que nous comprendre que le pouvoir est au service et du peuple. Il faut que nous comprenne que l'un a fait politique, leadership nous reprendre les doués en leadership qui mettait Haïti en tout cas en les têtes tout intérêt de parti ou bien de clan. Et c'est cette attitude que nous réclamons et du président et de l'opposition. L'opposition plurielle qui est dans la rue ou bien qui voulait la rupture et de l'ordre démocratique. Est-ce que là tout opposition, l'aile dure, opposition, hein? Comportement président, pas booster position. Yo. Bon, m'tende réflexions, ça a fait matin, hein, sous magique. Mm-hmm. Moi-même, écoutez, Haïti pire que ça, que moi-même. Faut pas faire trop éphémiste tout, non? Non, Haïti pire que moi-même, mm-hmm. et que tout le monde qui était dans la salle là. Haïti plus haut que Jovenel Moïse ni de Chile Louis d'Or qui était parlé de ça ou bien de André Michel ou bien de nous tout Haïti plus haut que ça. Mm-hmm. Et ce qu'il faut voir, c'est que il y a un ensemble d'Haïtiens qui voulaient mettre ensemble pour nous offrir on l'autre. Et non seulement image, mais on l'autre dynamique de progrès à pays. Et n'a fait de l'effondrement d'Haïti depuis la chute de la dictature, c'est ça seulement n'a fait. C'est on ne pas gagner un rien qui performe en pays.
Roman, nous gagnons avantage, nous pas exploiter à fond. Loi OUP, etc. Nous pas exploiter à fond. Donc il faut que nous sortions de logique de l'effondrement pour nous aller vers la construction de non seulement reconstruction économie, nous, mais reconstruction tout tissu social là et tissu économique qui était fait en tout cas que le pays d'Haïti est quand même autosuffisant dans l'alimentation, presque autosuffisant. Nous revenons dans les années 70 et 80 et aujourd'hui, nous à plat. Et nous obligés à importer plus que 60% et ça n'a pas consommé. Ça, c'est inacceptable. Inacceptable, mon pays n'a pas fait progrès avec ce genre de statistiques. Mm-hmm, tout à fait. Maintenant, dans cette situation, Premier ministre Andouville, ça n'est pas capable de faire encore. Parce que l'idée, déjà en face aux oppositions qui dit, on ne peut pas négocier. Seul soit pour me négocier, c'est démission résident. Il n'y a pas l'avéo déjà. Il n'y a pas l'avéo de façon informelle. Ils ont discuté ensemble avec lui. Maintenant, ils n'ont pas besoin de ce dialogue-là avec Jovenel Moïse comme président. C'est démission pour mettre sous table-là. Ça, le capable de faire dans le cas. Analyse, moi, fait, moi-même, moi, crois que c'est pour le continuer. Les gagnants ont ensemble de secteurs et de personnalités qui sont favorables à. Un dialogue là. Président dit pas le voulez. Non, c'est non, eh ben ça c'est affaire. Président dit ça le voulez. Non, ça c'est affaire oui. Pali. Ça c'est affaire pas président. Ça c'est affaire pas président. Nous, moi, ce que j'observe, c'est que nous besoin développer un pôle de progrès qui n'a fait appel à tout le monde. Même les extrêmes, n'a fait appel à tout le monde pour y rejoindre nous dans ce pôle de progrès. Et pas une autre solution pour lui. Vous comprenez? Pas une autre solution. Et ceci, président, c'est bon, si nous arrivons à joindre et que président avec et l'autre opposition, si nous arrivons dans ce processus-là, arrivons à mettre ensemble, tant mieux. Ou reprendre, mais si on ne vient pas joindre tout, il faut que nous continuions et l'abourage que nous avons fait et joindre des ententes sur tous les secteurs politiques, économiques, etc., pour Haïti dans les 20 prochaines années. C'est ça le pays. C'est vrai qu'au départ, dans le commencement forum, il y a des grands piles de monde qui était là. Mais pratiquement, on est capable de son journée qui est totalement perdu, et M. Comte. Dans la mesure où, grand objectif n'est pas atteint, c'était travail en atelier sous pacte de gouvernabilité, c'était arriver à mettre d'accord sur des points, retirer l'autre, faire des discussions pour que vous capable de un document au final, pour que vous capable de un minimum de consensus sur lui. Ouais. Parce que ça n'est pas fait. Le Premier ministre n'est pas même clôturé et forme, non. Yeah, c'est un fait. C'est un fait. Et bon, maintenant, qui est. Est-ce que son échec total, ou capable de mesurer l'échec là, ou reprendre? Ça dépend. Est-ce que son échec qui a corrigé, est-ce que ou qu'a redressé, ou qu'a recampé, c'est toujours. Tu peux corriger parce que. Il a corrigé. Si il y a besoin de lancer un dialogue ça le 7 février, faut-il bien que il remette un document, ou comprendre, à joindre le président Saint et lui-même. L'a décidé est-ce que l'a convoqué dialogue là ou non ou comprendre parce que là maintenant le ça premier ministre ayant voyé balle là dans pied lui ou comprendre lui-même l'a décidé est-ce que c'est du abdina prochaine rencontre qui va le faire prochain forum qui va le faire là c'est pas si on cap fait invitation parce que on voulait quoi que c'est primature qui t'invite c'est primature qui invite nous c'est eux qui t'ai gain commande pour yo faire invitation ça veut dire prochain forum non c'est la présidence qui va le faire c'est pas national par contre est-ce que président Jovenel Moïse a recevoir PAC là parce que c'est de ça qu'il s'agit il faut que primature la remette PAC là PAC de gouvernabilité à remettre à la présidence et pour président lui-même convoquer et dialogue là et à partir du 7 février donc attendons voir et la balle en tout cas sera dans les pieds du président et c'est lui qui a mis un terme à dialogue là
ou bien relancer li à partir du 7 février. Est-ce que le président a déjà oublié côté du sorti là? Est-ce qu'il a déjà oublié le 7 juillet, ça, oublié novembre, oublié octobre? Oublié le manqué du pouvoir? Ça, bon, oui, ça vraiment, je crois que lui très mal conseillé. Il est très très mal conseillé et parce que le ou président de la République faut aller plus haut que parti qui qu'on représente ou c'est président tous les Haïtiens de tous les Haïtiens. À ce titre, il n'est pas doué coûter seulement secteur politique. Li. Mm-hmm. Comme je comme moi tout dit à l'heure, qui fait partie des extrêmes. Qui fait partie des extrêmes. Vous comprenez? Mm-hmm. Il faut que le rester à l'écoute de tous les Haïtiens. Il faut que le comprendre que gagner 10 délégations qui étaient là, qui sortent bien loin. Vous comprenez? Les gens qui sortent dans le nord-est, ce n'est pas là qu'ils sortent. Les gens qui sortent dans la Grand-Anse, ils ont passé combien d'heures de route pour arriver à Port-au-Prince? Ce n'est pas plaisanté, ils ont été plaisantés. Et le ça, c'est des chefs. Et de représentants d'organisations que en pile leader qui était là et li capable et si conseiller ou pas fait président ou ça li capable perdu un bon et base et politique pour capable et ceci ni PHT quand même capable perdu un bon base politique parce que là c'était des figures, c'était une opération politique. Mm-hmm. Mm-hmm. Une opération politique pour Haïti, ce n'est pas pour PHTK. En fait, ce n'est pas ça le dadoué, il n'est pas dadoué pour PHTK, même si on voulait rabattre lui. Yeah. Maintenant, c'est dans le contexte ça, et que chaque jour qui passe, n'a pas TRVGS sur des points qui, que nous dadoué aller rapide sur eux, n'a pas marché vers les dates butoirs autour, qui c'est octobre et prochain cabinet pour nous réaliser l'élection. Yeah. Passer date, ça nous va trouver dans une situation compliquée, mais pas le moins. Absolument, absolument, la compliquée, mais. Qui ça pour nous faire? Est-ce que nous capables de mettre la Constitution à côté? Est-ce que nous capables de mettre date et rendez-vous électoral à côté? Non. Il faut que nous avancions. Pour faire élection. Il faut que nous avancions, nous faisons élection. Et il y a des gens qui ne parlent pas d'élection en fait. Il y a des gens qui ne parlent que c'est Jovenel qui est Moïse qui fait élection. Mais l'histoire montre non, que quel que soit le monde qui est à la présidence, il est capable d'influencer l'élection jusqu'à un certain point. Mm-hmm. Mais si les choses sont mal passées, il a foiré dans le monde. Vous comprenez? Et il a foiré pour de bon. Non, mais secteur politique qui foiré l'élection. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir. Vous comprenez? Il faut que tout le monde comprenne que rendez-vous. Le pouvoir est plus pour le perdu que l'opposition. Ah oui, les rendez-vous dans la question de démocratie, hein, pas de bac sur eux. Gagner les amendements de la Constitution, il faut que nous avancions avec le processus député et Jerry Tardieu, il faut que nous avancions sur lui. Et deuxièmement, le processus électoral, là, il faut nous mettre en œuvre. Et ceci, n'attendre que le Parlement vote loi électorale, là, vote budget pour organisation électorale, pour que nous avancions. Parce que si nous allons remettre des bagages en question par rapport à l'année électorale, là, vraiment, n'a pas. Prend gros risque même temps, avec pays. Mais même, c'est vrai que l'élection est importante, est même cruciale pour la stabilité pays et pour le fonctionnement parlement. Mais le contexte, M. Poult, où elle prête à des élections dans le contexte nous est là? Contexte en Haïti, c'est les extrêmes qui toujours mettent le constat. Mais il faut voir que garder à chaque fois que l'extrême, c'est eux qui ont manœuvré, et bah yo pas bien passé. Vous comprenez? Et taux de participation très faible. Et
violence. Ou influencer les urnes en faveur de secteurs politiques par où. Ça, c'est le monde qui se pouvoir avec plus qu'à faire ça. Eh bien oui, eh bien oui, c'est ça qui était passé sous le président Martelly. Et puis, il est obligé, au terme de son mandat, à aller. Et aller, et puis remettre un pouvoir, et nous capables de dire, un pouvoir. Au second degré, dans mes privés. Oui, dans mes privés. Maintenant, c'est même pas là qui dépassait sous Aristide, Roman. Et donc, le président Aristide allait monter au pouvoir en l'an 2000, et avec de fausses élections. Et puis, qui s'est passé? Le résultat, c'est 2004. Vraiment, il faut que tout le monde ressaisisse la démocratie et Haïti plus fort que les intérêts de parti. Est-ce que Rob Gade, depuis le président, a monté et a gagné deux ans de stade et a monté ce pouvoir? Est-ce que j'en ai joué, j'en ai déplacé, j'en ai fait politique, j'en ai parlé avec la population, j'en ai traité l'opposition, j'en ai traité le monde qui boit à côté, le premier ministre? Est-ce que ouais, s'il continue comme ça, il est capable de boucler le mandat là? Ou bien il y a des risques? Eh bien, il y a des risques. Il ne peut pas boucler le mandat. Il y a des risques. Risque là, il est toujours là. Conditions, la vie, mon yo, pas changé. Et l'opposition toujours kembe, même discours. L'opposition radicale là, toujours kembe, même discours. Jodi a, et ça qui passe hier là, même elle politique modérée, ou reprenne, à l'exception de Victor Benoît et de Clarence Renoir et de quelques figures politiques, dont Francky Exius et Docteur Gilles, ou reprenne, et Gérald Gilles. Assad Volsi, donc mis à part, mettez à côté le groupe ça qui participait, et même opposition modérée, ou reprendre formelle modérée qui l'a souterrain depuis longtemps, et fusion OPL, et puis qui est encore, RDNP aurait été absent, ouais. et du processus. Donc, ça qui passait à là, moi-même, moi, pensais que oui, il est capable d'hypothéquer le mandat président Jovenel Moïse si il n'a pas ressaisi tête li et puis redéfini, positionné par rapport à le dialogue là. Parce que si ou discours opposition, et radical là, en tout cas. Et c'est pas reconnaître rien que ça, qui ça est cap fait là. Oui. Et ça veut dire la plus prochaine occasion pour remobiliser. Ok, bon, on a fini là, monsieur Poultre, en 30 secondes. Sous ta gueule, on conseille à la président, ça le tapier. Et président, il faut le soutenir dans le PHTK. C'est pas quitter le parti politique là, non? Il faut suspendre ou recevoir la question chef d'État. En chef d'État. Chef d'État, il dépassait PHTK. Il dépassait président Martelly, qui bat le pouvoir. Ou reprendre, il dépassait ti intérêt mesquin des clans et qui bon côté. Il dépassait ou reprendre tout. Les forces économiques aussi. Les forces économiques, les puissances de le pouvoir d'argent ou reprendre qui entourait et ce les dépasser. Parce que Konyen, faut le placer là la tête comme chef d'État et puis il est capable d'opérer avec le Premier ministre. Parce que si M. Seyan a l'école là, président Nanka. Merci beaucoup, M. Poultre. Merci aussi. Voilà, merci à vous qui avez suivi l'émission à Soya. C'est là de mettre en bout. Restez sur TV20. Nous avons croisé notre lèvre pour l'autre. Haïti, ça capte. Bonsoir.